À propos du sexe, il y a plein de choses que vous, les mecs, devez savoir. Déjà, on en parle plus souvent que vous ne le croyez. Wouhou ! Ça y est ! Ça y est quoi ? J'ai couché avec Anto, là, le hipster. Et alors ? Alors, c'était... C'était pourri. Tu vois, il est classique, mais en même temps, super imaginatif. Ah, puis, ah ouais, qu'est-ce qu'il est ambitieux. Ah ouais, ça, vraiment, il est ambitieux, quoi. Non, franchement, c'est le profil parfait, je suis vraiment contente. C'est cool. Attends, tu me parles de sexe, là ? Ouais. C'est quoi, du cul ambitieux ? T'as couché avec combien de mecs ? Moi, je sais pas, trois dont je me souvienne. Ok. Enfin, qui vaut la peine d'être dit. D'accord. Ah, je le reste. Oui. Toi ? Bah moi, Tu te fous de ma gueule, là ? Et on est peut-être même plus cru que vous. Bah moi, tu vois, je suis assez douée pour mais je trouve le goût vraiment bizarre. C'est vrai que c'est dégueulasse. Et tu t'es déjà fait Parce que ça fait hyper mal, hein. Ah ouais, tu m'étonnes. S'il met pas de sur sa on te prend, c'est ah, clair. C'est clair, on parle pas. Certaines aiment recevoir des sextos quand c'est bien fait. J'imagine, oui, j'ai envie de mettre ça en toi. Attends. Sophie ? Ouais ? Le mec, qui m'a envoyé 8 égale flèche. Ouais, bah moi, je reçois souvent un inférieur 3. Hein. Enfin, inférieur 3, c'est romantique, quoi. Putain, il est prétentieux, hein, il a mis vachement de égale. Bah, je réponds pas, alors là... Ah, oh, dégoûte. Dans un couple, on aime communiquer sur le sexe, afin d'éviter les malentendus. Ah, tu lui as fait ça ? Ben ouais, mais dans le feu de l'action, je me suis laissée emporter, tu vois. Puis en même temps, on n'en parle jamais. Comment tu voulais que je sache que ça allait le vexer ? Mais toujours prévenir avant de faire ça, hein, toujours. Hein. Mais enfin, vraiment ? Ben oui. Et toi, tu le fais pas ? Ben attends, jamais la boîte à caca, moi je touche pas, hein. Bah, ben, je sais pas, dans le feu de l'action. Ben non. Beaucoup de filles ont essayé les sites un peu... Mais j'hallucine, quoi. Monsieur arrête Tub et Youporn dans ses favoris. Quoi ? Oh, elle est souple. C'est pas possible, ça. Chérie, tu fais quoi ? Hein ? Rien, chérie, je fais mon exposé sur... la vie. Mais après, des merde. On aime les surprises un peu coquines, mais toujours quand c'est bien fait. Eh bah, il va falloir qu'on reparle des surprises sexy qu'on devait mettre en place, hein. Ça t'excite, toi? Ok, tu veux que je ressemble à un hot dog, en fait, c'est ça l'idée? Tu veux niquer avec un hot dog? Enfin, certaines d'entre nous ont des fantasmes bien précis. Ça commencerait dans un bar, tu vois. Moi, je serais assise seule à une table, comme ça, tu vois. Et là, un sombre bel inconnu viendrait s'asseoir à ma table, tu vois. Sauf que j'aimerais bien, en fait, que tu me parles en russe. Vas-y, prends l'accent russe pour voir. Tu viens, tu m'enfermes dans une cave et tout. Et en fait, quand tu me prends en otage, tu vois, tu me bandes les yeux. Donc du coup, moi, je sais pas du tout où est-ce que tu m'emmènes. Et là, y a une première escale, en fait, à Budapest. Et là, tu prends ma robe et tu la déchires. Et là, tu m'enlèves mon bandage des yeux et je découvre qu'on est à Buenos Aires et que tout le monde parle espagnol et que ça danse. Tu dors, mon amour ? Tu veux pas me voir danser le tango toute nue ? Oh non, mais dors pas ! Mais bon, on va pas tout vous dire. Pour tout le reste, on laisse marcher votre imagination. Et un peu de folie, ça n'a pas de prix. Enfin, moi, je te disais trois, mais en fait... Non, il y en a eu... Non, genre, il y en a eu plus. Quoi ? Mais non, mais t'en as eu trois, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut rester coloc quand même, hein, tu sais, c'est pas... Oui, bah, t'aurais pu me dire que t'étais l'infomane avant qu'on s'installe ensemble. Oh, bah ouais. Moi, je suis prude, hein, c'est-à-dire... Tiens. Bah moi j'ai bien niqué. Et bah tu débarrasses à la table s'il te plaît.